Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, le boss Younes, la goat Myriam. Yassine il est pas là les gars, on avait pas trop envie de l'appeler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma copine qui contrôle la vidéo. Les gars, je sais que Myriam elle a une voix assez bizarre. Elle s'est levée il y a 2-3 jours, sa voix elle a changé. Donc faites pas attention à sa voix. Mais comment ça ta copine, j'ai pas compris. Bah en gros ma copine elle va décider ce qu'on mange, nos activités et tout. Mais ta copine elle s'appelle comment? Lina. Oui, c'est la copine de la côte familiale. Ok les gars, je lui fais confiance à Myriam. Lina va décider de notre vie pendant 24 heures. Je donne ma vie à un inconnu. C'est parti. J'ai demandé à ma copine Lina ce qu'on mangeait. Mais ta voix, là, quoi ta voix? Je suis enrhumée. Ouais, c'est grave bizarre, les gars. Je lui ai demandé ce qu'on mangeait pour le midi. Elle m'a dit on mange des smash burgers. Ta copine Lina commence direct par le midi? Bah ouais. Et là, on va où? Tout droit. Mais y'a rien, tout droit, Myriam. À gauche. Cette vidéo, c'est un prank, ta copine. Et t'es sûr qu'elle sait où on va? Oui, t'inquiète, elle a des bons goûts, ma copine. Donc là, tu vas tout droit. Il y a une moto. Ah, oh, on a failli. Waouh. Et si toi, tu sais pas conduire? Elle pose le téléphone et dis-moi où je dois aller, Myriam. Les gars, j'espère vraiment, c'est pas un prank. Elle m'a dit sa copine n'est pas contrôlée la journée. Vas-y, je lui fais confiance. Myriam, là on arrive déjà là, regardez. Oh my burger. D'après Lina, on va bien manger, t'inquiète. Moi je lui fais confiance à ta pote hein. Oui. Si elle nous fait passer une mauvaise journée, je l'appelle, je lui dis Lina, c'est pas carré ce que t'as fait. T'inquiète. On est à Oh my burger et ici il y a des smash burgers. T'es sûr c'est une dinguerie ici? Ok les gars, tu consommes, vas-y prends sur place. Oh regardez, il y a des burgers. Attends, va dans smash burger pour voir. Mais c'est quoi un smash burger, Myriam? Bah un smash burger c'est un burger avec, par exemple, tu peux retrouver du bacon dedans, des steaks, tout. C'est pas en mode le steak qui est bien smashé? Mais ça, tu connais rien au smash burger, vraiment. Et Lina va pas être contente. Regardez les gars, tous les burgers qu'il y a. Il y a burger au chicken, spicy. Ok, c'est carré. En plus, j'ai bien faim. Et bon, on va regarder, il y a quoi d'autre. Regardez, il y a quoi? Il y a des grecs. Oh, vas-y, on fait notre commande. Il y a quoi? Des milkshakes. Ah, mais elle a pas dit milkshake, hein. T'as dit que smash burger. Là, la commande, elle est passée. On attend qu'il nous livre. Et franchement, c'est une dinguerie, les gars. C'est la première fois que je viens. Mais pourquoi c'est tout rose? Il y a des boissons à l'arrière. Ouais, il y a des boissons de zinzin, il y a du calypso, du Fanta. Il y a du Dr Pepper. Mais en mode tout héros, c'est pas. Est-ce qu'elle va venir ta copine? Si elle vient, tu me le dis tout de suite parce que j'ai pas pris de menu. Hein. Oui. Elle va venir là. Non. On l'a même pas attendu. Non, mais Yacine, on l'appelle après, s'il te plaît. D'abord, on mange et après, on verra Yacine. Donc là, c'est une dinguerie, ta copine, elle nous a ramené. Regardez, les gars. C'est les nouveaux Grecs. Les nouveaux Grecs 2024. Il est bien balèze. Je vais pas faire le giga. Vas-y. Wow, roll crow de dinosaure. Eh les gars, on a, c'est incroyable. Ouais, regarde-moi ça. T'as vu d'habitude? Ouais. Quand tu manges en grec, le pain il est dur, il arrive pas à passer ici. Là, ici ça bloque, ça fait. Et ben là, en mode c'est doux comme un peach. Regardez, c'est doux. Du coup. Eh, ta copine, elle est trop forte hein, en termes de goût. Ouais. Regardez les frites. T'as fait un 8? Ah ouais. Mais j'ai pas 8 ans. Non, c'est un 9. Pourquoi ta copine elle a pris ces algériennes? Bah parce que c'est une DZ. Ah, c'est une algérienne? Ouais. Regardez-moi ça, les amis. Pop. Mais en vrai, j'espère que ta copine va pas prendre 10 kilos. Non. Elle pense qu'à manger? Non. Ok, on va goûter. Mais ouais, c'est des trombones. C'est des chips? Ah ouais? Les gars, c'est des chips. Je suis choqué. Ensuite, oh là là là, ça c'est du burger, les gars. Regardez-moi ça. Il est bien fondant. Tu vois, un smash burger, c'est ça. Le steak, il est comme ça. Tu vois, il est smashé. Il est mâché? Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Le steak, il a pas déjà été mangé. Ah, les gars, je vous promets, c'est trop bon. Oh là là. Le steak bien smashé avec le pain bien mou, c'est une dingue. Le steak bien mâché. En mode, ils prennent le steak et ils font ça. C'est ça un smash. Mais je te jure, c'est ça. Les gars, dis-tu, c'est ça un smash. Tu vois pas que le steak, il est tout fin, il a fait le ramadan, tu vois pas ici? Regarde. Laisse-moi goûter, ça se fait pas. Mais vas-y, toi, tu m'énerves, tu vas tout manger, je te connais. Viens, on va commencer parce que je voulais goûter. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Myriam? Chicken wings. Fais voir. Avec de la sauce. Wow, chicken wings. En plus, d'habitude, elle aime pas manger le poulet, c'est une dinguerie. C'est quoi? Wesh, les gars, c'est ça? Regardez comment c'est bien fondant avec la sauce. Elle détrône les Pepe Chicken. Ça détrône Pepe Chicken? Oh, t'as dit une dinguerie là. C'est-à-dire ça, c'est mieux que Pepe Chicken. Oh. Maintenant, je vais m'attaquer au burger. Ah, je l'ai même pas vu. Oh là là, les gars, la copine de Myriam, regardez-moi ce burger. Oh, fais voir comment ça dégouline de sauce. Wow, jamais vu. T'as vu le pain, comment il est mou? Ouais, de fou mal. Vas-y, tape un croc. Il y en a, ils disent que tu fais des plus gros pour moi. Moi, je crois pas trop. Hein. Ouais, ça doit être ça. On va comparer les burgers après. Et moi, j'ai même pas forcé les mecs. Vas-y, mets ton burger à côté du mien. Regardez la différence de croc. C'est moi. Dites dans les commentaires qui a fait le plus gros croc. Arrête. C'est un raclette? Comment ça, c'est un raclette? Tu veux un raclette? Oh là là, les gars, mais ça, c'est normalement, ça en hiver. Tu t'étouffes? What? Tu vas avec de la salade sans faire exprès. En plus, j'ai pas compris pourquoi elle nous a mis deux boissons. Ta copine, elle prend deux boissons. Wesh, c'est une dinguerie. Frites cheddar en trombone. Ça a l'air d'être une masterclass, les gars. Et hey, Oh My Burger, c'est validé. Hein. C'est comment ça? Quoi? C'est chaud. C'est chaud, ben c'est normal, ça vient de sortir du four, frère. Par contre, c'est un délice. C'est un délice de ouf.
Franchement, merci Lina de nous avoir amené là. C'est la meilleure, franchement, c'est incroyable. Est-ce que ta pote Lina fait des trucs comme ça, genre elle fait ça, 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 et après elle croque? Repose, repose, repose. Lina mange pas comme ça. Ah, vas-y, c'est pas marrant, frère. Au moins, je peux mettre une frite dedans? Oui. Ah, oui. Comme d'habitude, au bout de 2 minutes, regardez ce qui se passe. Regardez, regardez mon plateau. Regardez son plateau. Mais toi, t'es un mangeur flash. Mais comment ça, je suis un mangeur flash? Wesh, moi, je mange. Ta copine Nina, elle a dit faut manger bien, non? Ouais. Mais pourquoi tu manges comme ça? Tu es comme une tortue là, tu manges à 2 à l'heure. Tu savoures? Ouais, tu savoures, ça doit être ça. Ouais. La dame, elle nous a passé un dessert, il est fiché. Il y a des tartes, des tiramisu. T'as pris quoi toi? Moi, j'ai pris tarte à la coco. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À chaque fois qu'on va dans un restaurant, vu qu'ils savent qu'il y a des youtubeurs, ils nous mettent des trucs en plus. En tout cas, ils sont trop gentils, ouais. Je vous dis la vérité. Hein. Ce fast-food Oh My Burger, il est validé à 10 sur 10. Dédicace. Allez là-bas, allez. En plus, les gars, ce qui est bien, c'est que regardez, c'est dans un endroit calme. Il y a un parc pour les enfants. Et si vous pouvez venir là, Oh My Burger, ici, c'est une dinguerie, comment c'est stylé. Venez, venez, en plus, grosse dédicace, ça fait vraiment. A few moments later. Et rien, t'es en train de faire quoi là? Parle avec mes cousines et je suis en train de jouer à Roblox. Tu joues à Roblox? Oui. Et tu m'appelles? Ah non, c'est nul. Et tu m'appelles même pas? Non. Et t'es en train de gagner ou tu perds? Mais c'est pas un jeu de gagner ou tu perds, c'est un parc aquatique. Oh la chance! Mais tu veux pas qu'on aille vraiment dans la vraie vie faire un parc aquatique? Oh ouais! Attends, il est où Yacine? Yacine? Oui. Je vais aller le chercher. Vas-y. Les gars, il est là-bas. Il est là-bas, je vous promets, il est là. Hey, tu fais quoi depuis tout à l'heure toi? Mais qu'est-ce que tu. Là, vas-y, taille. Comment t'es habillé? Je suis invité, vas-y, taille là. Tu fais quoi ici? Je vais le dire à maman. Tu vas me foutre là. T'attends qui? T'attends qui? Je suis invité là-bas dans une salle. Yacine, hey, je vais le dire à maman. Ah, c'est ça que tu fais? Tu vas pas le dire, arrête. Si, je vais le dire, c'est une dinguerie ce que tu fais. Depuis tout à l'heure, on t'attend et là. Oh, le truc. Dis la vérité, tu vas faire quoi? Je suis invité. T'es invité où? J'ai pas le droit de le dire. Tu vas voir qui? Ah, laisse-moi tranquille, vas-y, taille là-bas. Moi, je reste avec toi, moi, je reste là. Non, non, t'es même pas habillé, toi. Non, moi, je reste là. Si tu foulais, toujours pareil avec toi là. Eh, soit tu pars, ok, mais je le dis à maman, soit tu viens avec moi. Mais le dis pas. Non, frérot, tu pars pas sans. Toi, tu fais des trucs bizarres, toi. J'ai remarqué depuis ce temps-là, tu fais des trucs bizarres. Parce que je suis invité, pas toi. Non, tu fais des trucs bizarres. Bah vas-y, t'as invité où et tu vas faire quoi? Te le dis pas, c'est tout. Si je te le dis, tu vas y aller à ma place. Myriam. J'ai trouvé Yasmine, il était en costume avec une chemise, un jean et il attendait quelqu'un. Quoi? Comment ça? Il va se marier? Je sais pas, il attendait qui, hein, mais t'inquiète pas. Fais monter dans la voiture là, il est à la maison, il a grave une compte. Mais tu fais quoi ici? C'est de gonfler mon vélo, tu te souviens pas, tu me l'as crevé. Mais pourquoi tu veux faire du vélo? Je comprends pas. Bah parce que ma copine elle aime bien faire du vélo et du roller. Vas-y, montre comment tu veux gonfler ton vélo. Bah en gros, attends, il est où le truc? Je cherche. Il faut que tu cherches la valve. Bah je la cherche. Là. Ah ouais, bon. Faut que tu dévisse. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dévisse-le. Mais non, j'ai vu un tuto sur internet. Mais tu fais n'importe quoi. Attends, bah on va venir de ce côté. Mais Myriam, t'es une endo, il faut dévisser ça. Et si ça marche pas et que t'as cassé mon vélo? J'ai pas cassé, gars, je vous promets, la dernière fois je l'avais crevé. Écoute. Oh non. Vas-y maintenant, mais enlève l'aiguille. Quelle aiguille? L'aiguille sur la pompe. Comment on fait? Et toi, tu connais rien. Fais voir. Non, pas comme ça. Et là, tu dévisses. Dévisse l'aiguille. Vas-y maintenant, mais. Non, tu laisses debout le truc. Maintenant ferme, appuie sur le truc noir. Le truc noir. Ça? Appuie. Regarde la gonfler, regardez comment elle est dure. Oh, c'est vrai que là les gars, elle est bien dure. Et l'autre? Ah, j'ai vrai que j'avais mangé trop de kebab la dernière fois. Arrête de toucher là. Tu vas encore plus la dégonfler. On va ouvrir. Ta copine elle sait faire du vélo? Non, elle sait faire des buts, des tirs au but. Bah oui, elle sait en faire. Mon vélo il marche bien en plus. Mais est-ce que tu sais toujours en faire? Mais bah oui, recule. Vas-y, j'espère les gars que son vélo il est réparé les mecs. C'est parti. Wow, mais son pas, petit, ouais. C'est grave petit. Comment ça, c'est grave petit? Bah, monte la selle. Descends et monte la selle. Monte la selle. Je la monte? Ouais, monte la selle, c'est trop petit. Monte la selle, frère. Comment on fait? Mais faut dévisser. Là, tu vois, là. Voilà, là, c'est carrément. Là, tu la tires vers toi, tire vers le haut et tu la fais tourner sur les Attends, côtés. J'arrive pas. Les gars, elle est trop nulle. C'est une dingue. Pour bien tourner la selle, regardez. Vous mettez vos jambes ici et vous bloquez la roue arrière et ensuite, on vient. Tu me dis stop. C'est bon. Ok, c'est bon comme ça? Ouais. Okay. Maintenant, montre comment tu fais. Et là, il faut bien appuyer. Ah, pour réussir à faire ça. Il faut des muscles, donc il faut manger des tacos. Ah non, la selle elle est pas haute, hein. Vas-y, maintenant t'as plus d'excuses. Les gars, Myriam, elle est bientôt trop grande pour le vélo, il va falloir lui prendre un nouveau vélo, je pense. On va demander à Yacine. Ok, bien joué ça. Wesh, Myriam. Tu veux apprendre à lever un i? Quoi? Ouais. Tu veux apprendre à lever un i? Genre comme ça, genre attends. Faut que tu mettes la vitesse numéro 1 et tu vas te traîner sur le terrain de foot, vu que si tu tombes, ça va rien te faire. Mets la vitesse numéro 1. C'est bon, faut pédaler. Ah. Vas-y, pédale. Normalement les gars, ça va passer la vitesse numéro 1. Et je fais quoi là? Et là ce que tu veux, c'est que tu vas mettre un grand coup vers l'avant et tu lèves en i. Allez Myriam, va tester de lever en i. D'abord, je vous montre comment vous. Va-t-elle réussir les amis? D'abord faut faire ça genre. Va-t-elle réussir? Genre c'est ça. Ouais c'est ça, mais maintenant faut le réussir en roulant. Là c'est de la triche de le faire comme ça. Est-ce qu'elle va réussir à lever en i les mecs? Attention. Oh mais faut lever plus fort. Mets un gros coup genre. Allez, okay. C'est parti. Dernier essai pour Myriam.
Oh, elle était bien. En vrai, de vrai, elle était bien. Maintenant, viens, on va en faire dehors là parce que là, c'est trop petit. Est-ce que t'es devenue une pro du vélo? Ouais, très clairement. Elle a toute cette ligne droite là pour faire une accélération. La ligne. Elle a toute la ligne pour faire une accélération. Pas de soucis. On va voir si c'est une pro. On va voir si c'est une pro. En vrai, les gars, elle tombe pas. Elle est super forte. Hein. Oh, les gars, je crois qu'elle a appris à faire grave bien du vélo. Regardez maintenant, elle tombe même plus. Elle roule grave vite. Oh, bien joué. Est-ce que c'est faire un dérapage? Dérapage. Oh là là, t'as raté, mais c'est pas ça un dérapage. C'est quoi un dérapage? Faut que ta voix rire et dérape. Les dérapages, c'est la base, les mecs. C'est pas faire un dérapage, c'est la honte. Comment on fait un dérapage? Il faut freiner avec le frein. Allez, dernière chance pour Myriam. Va-t-elle réussir à faire un dérapage après 10 ans d'essai? Voilà! Si elle en freine, tu feras un dérapage. Attends, je refais un verre. Oh là là, ça y est, elle va faire que des dérapages maintenant. Mais tu sais que ça abîme les routes faire ça. Hein. C'est derrière ta roue arrière, regarde ta roue arrière comment elle est en train de la déglinguer. Ouais, je vais arrêter les dérapages en fait. Non, tu veux que je fasse quoi demain, un défi en vélo? Va falloir que t'arrives en ligne droite et tu freines seulement avec la roue avant. Commence même pas à mettre ton poids là, je peux rigoler. Normalement le défi c'est quoi? C'est tu roules et à bout d'un moment ça fait ça. Ah ok, ok, vas-y, je vais essayer. Faut être grave fort pour le faire. Va-t-elle réussir à le faire? Freine sec. Ah, t'as réussi. J'ai réussi, je suis pas tombé. Allez hop, y'a personne qui peut me tester. Il est là, je te jure, il est là. Alors Yacine, on va en chemise et en jean quelque part. Elle vérifie son portable, il parle avec qui? Vérifie, il parle avec qui? Je l'ai dit à toute la famille. Non mais touchez pas mon téléphone. Bah je l'ai dit à toute la famille. T'es une balance toi. Apparemment monsieur, il met des chemises, des jeans. Je sais pas, il avait rendez-vous avec qui? Une soirée. J'ai pas le droit de le dire. Il avait trop la rage parce qu'il est pas, il a pas été invité. Il y avait qui dedans? Il y avait peut-être quelqu'un qui avait les cheveux longs, les yeux bleus. C'est que les cheveux plaqués. Comme dans les années 80. Je jure, il avait les cheveux plaqués, il avait des chaussures de costume, c'était grave marrant Myriam, je te promets. Je sais pas il allait faire quoi, mais c'est un petit cachotier ce mec. Hein. Vous êtes trop jaloux vous en fait, c'est ça. Ah, je crois que t'as reçu un message sur Snap Yacine. J'ai entendu la notification, t'es nanette. C'est rien le message, oh là là. Ouf, le message. Ouf. Salut Yacine, c'est Christelle, je suis avec Elisabeth, on a un truc à te dire. Mais je t'avais dit de venir en costume, pourquoi t'es pas venu hein? On t'attendait, allez bisous. Ah ça y est, on sait tu voulais aller avec qui? Oh, comment je suis gêné. Tu voulais aller avec Christelle et Isabelle. Oh, c'est cringe, c'est cringe. Ah la honte, Christelle et Isabelle avec ton costume. Ah je suis gêné ce que vous faites. Oh là là, je suis gêné. Je peux pas sortir, je suis gêné quand même, je suis trop gêné. Oh, allez sortez de ma chambre. Allez, allez, dégagez. Oh je suis gêné. Oh mon dieu. Oh la honte. Allez bisous hein. Salut. Oh la honte, sortez de ma chambre. Allez, au revoir. Au revoir. Comment je suis gêné, sortez de ma chambre. Il fait trop chaud. Regarde, je me suis fait quoi en vélo? Ouais, j'ai pris des coups de pédale ou quoi? Elle trouve. Eh ça te dit pas, on passe au repas du soir. Après, on fait une activité encore. Ouais, ce truc de ouf. Oui, c'est marqué de la, part de Christelle avec des cœurs. Eh, hey, c'est une dingue. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a quoi dedans? Il y a un pot de confiture. Et l'autre, il y a quoi? Des Ferrero Rocher, une rose. Eh, ouais. Hey, Yacine, il est trop bizarre, les gars. Avec une tasse et des bonbons, des bougies. Tu penses si on... Si on l'ouvre, il va dire quoi? On peut l'ouvrir, tu penses? Ouais. Non, vas-y, touche pas après, il va dire, allez, touchez pas! Dans ce carton-là, il y a un truc, vous le dites à personne. Non, je dis à personne. Là, c'est le 24 heures de ta copine Lia. Lina. Je vais y arriver au bout d'un moment. Et le dites pas, même vous les abonnés. Regardez ce que je me suis pris. Le désertigueul de Fortnite! Vous voyez l'arme de Fortnite? Touche pas. Vous voyez l'arme de Fortnite, là, quand vous avez le désertigueul dans le loot, là, comment ça s'appelle? Non, le gros loot? Comment ça s'appelle le métro? Dans le métro, les gars, le désertigueul, et regardez, on va le tester en direct. Ici, regardez, ici, on a un chargeur. Et c'est une dinguerie, on a des cartouches. Ne vous inquiétez pas, c'est un truc à bille, c'est pour... Ouais, c'est, regardez, c'est avec 8 ans et plus. 8 ans et plus. Ouais, c'est pour ceux qui ont 8 ans et plus. Moi, du coup, c'est bon, je peux le prendre. Ouais. Regardez, les amis, ici, vous prenez la petite bille, vous la mettez là comme ça. Ouais, je peux tester. Là, il est chargé. Est-ce que vous pensez que ça peut détruire une canette? Oh, on comme la forêt. Vas-y, on fait l'essai. Vous êtes prêts, Myriam? Je me mets là au cas où, on sait jamais. 3, 2, 1. Ça a même pas détruit la canette. Ça a rien fait à la canette. Du coup, ça veut dire que c'est même pas puissant. Mais je me suis fait arnaquer. On va mettre une dernière balle. La balle, elle s'est cassée. Quoi? Ah non. Vu que c'est pas très puissant, bah du coup, danse. Azingirimata, Zingirimata. Non, j'ai rêvé, je suis pas un gamin. Laisse juste le carton, les gars, on va tester une dernière fois dans le carton. C'est même pas... Essayez de détruire une feuille. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je vais te dire ce que vous faites. Si vous dites ce que je fais, moi je dis ce que vous faites, voilà. Oh non, du coup, on va passer au repas du soir. Pour le repas du soir, ma copine, elle aime trop les boulangeries et en plus les bonbons à la boulangerie. Mais Myriam, c'est un dîner, tu me parles de bonbons, mais ta et copine... alors, on fait ce qu'on veut. T'es sérieuse, là? C'est-à-dire, on va à la boulangerie, on prend que des bonbons? Et on peut prendre du salé parce que c'est un dîner. Oui, vas-y. Plus la boisson préférée de ma copine c'est l'Oasis. Là par contre t'as vu pour le restaurant des burgers, je vous ai laissé décider, la boulangerie ouais. C'est moi qui vous emmène. Quoi? Là tu vas continuer tout droit, tu vas voir. Tu la connais cette boulangerie ou pas? Ouais je la connais. Ah ouais? Et là tu prends tes bonbons, tu prends ce que tu veux, mais moi je prends ce que je veux hein. Oui. Lina je pense elle va pas dire non. Non. C'est carré en plus les gars, y'a pas trop de monde. Oui. Courir vite. Pourquoi faut courir? Ouais je crois faut courir.
tout. C'est parti les amis pour la régalade. Oh lolo. Bonjour. Il y a quoi? Tartelette à la framboise. Du coup, tu sais ce que tu vas prendre toi? Ouais. Vas-y, on va voir. Regardez, il y a quoi ici? Regarde, regarde, c'est quoi ces nouveautés? Tu penses ta copine Nina, elle aime bien les trucs à la fraise ou elle aime bien les trucs aux pépites de chocolat? Incroyable, la fraise, elle aime trop, elle aime les trucs au chocolat. En fait, elle aime un peu tout. Elle aime un peu tout? Juste, elle aime pas les trucs du genre. Elle aime pas quoi? Elle comprenne pas. Ouais, ah, ouais. Ça, je pense, les gros macarons. Ouais, elle aime. Non, et en termes de salé, oh, il y a des sandwichs. En termes de salé, elle aime pas juste les pizzas. Il y a sandwich, pizza. Elle aime bien les sandwichs, les pizzas. Elle aime bien. Elle aime pas par contre les croquettes. Elle aime pas les croque-monsieur? Pas, les croque-monsieur comme ça, elle aime pas. Et ça, elle aime pas. Ok, bah vas-y, on fait notre sélection et c'est parti. Hein. Avec. T'es en train de prendre tous les bonbons. Avec une coca. Sucette bleue, je prends que des sucettes. T'as d'autres bonbons ici. Hein. Nous, quand on était petits, on disait à la dame, donnez-nous un euro de mélange de bonbons. Alors, comme ça, t'as la surprise. Oui. Ok. Vous connaissez rien, votre enfance. Un euro de mélange de bonbons, tu vas kiffer. Tu vas voir, elle va te mettre un peu de tout. Par contre, c'est la surprise. Très bien. Je suis choqué pour 1 euro de bonbons, il n'y a que ça. Fais voir, il y a quoi pour 1 euro? Mets-toi sur le siège. Pour 1 euro de bonbons, il n'y a que ça. Oui. Moi, à mon époque, les bonbons c'était 5 centimes. On avait un sachet rempli. Oh, les gars, je suis choqué. Il y a 3 sucettes et 3 bonbons pour 1 euro. 4 bonbons. Comment ça a augmenté? Donc, du coup, maintenant, faut demander pour 5 euros de bonbons. 5 euros. Mais frère, ça a trop augmenté les prix. Je suis choqué. Genre, c'est-à-dire pour 5 euros de bonbons, tu penses que c'est un sachet rempli? Bah oui, nous, je te jure, pour 1 euro, Myriam, les bonbons avant c'était 5 centimes. C'est-à-dire, du coup, un bonbon c'est combien? Il y en a combien de bonbons? Il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'un bonbon c'est à peu près 10 centimes, c'est double d'avant. Moi je peux pas attendre, franchement faut vraiment que je les mange sur la route là. Et moi je préfère les sucettes, personnellement les gars. En plus, moi genre je préfère les malabars parce que dans les malabars il y a les tatouages, pas toi. Ouah, moi j'aime pas. Moi quoi? je déteste les bonbons, j'aime pas. Celle-là je l'ai jamais goûté. En plus il y avait pratiquement plus de bonbons à la boulangerie, c'est bizarre alors qu'à la base il y en a beaucoup. Splash. C'est acide. Parce que j'aime bien que ces bonbons, c'est qui colore la langue. Repas du soir, les amis. Oh lolo lolo, c'est une dinguerie. Les gars, Lila nous a mis bien. C'est pas elle. T'es sûr que c'est pas elle? Oui. Mais arrête de mentir, t'as pas de copine dans la vraie vie, frère. Qu'est-ce que tu racontes? T'as vraiment une copine, c'est pas Lila? Non. Ah, je croyais que c'était elle. Lina, c'est Lina. Ah, Lina, excusez-moi. Donc, Lina nous a prévu des petits gâteaux. Regardez, les amis. Oh là là, on a un maxi macaron, une tarte à l'amande, un éclair au spéculoos. Je me régale avec tout ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je me régale avec tout ça. Oh là là, j'aime me régaler. C'est moi, je me régale. Vas-y, toi, calme-toi. Ensuite, on a bien évidemment des frites au cheddar, les gars. On a les tiramisu et la tarte à la flamme coco qui nous a été offerte par Oh My Burger. Et Myriam, elle a pas fini son burger. Elle a pas fini son burger, Myriam. Le petit burger. Donc là, je t'explique. Moi, je prends les gâteaux et je te laisse les frites. Comment ça? Non, vas-y, arrête, frère. Non, ça va pas se passer comme ça. J'ai un truc pour vous, là. Je te laisse ça. Non, tu me laisses rien. Quoi? J'ai un truc pour vous, ça va pas se passer comme ça. Ouah. Savoir qui aura quoi, vous allez jouer au jeu du morpion en faisant pierre, feuille, ciseaux pour placer son morpion. Oh, vas-y, si je gagne, je peux manger dans ce que je veux. Vous mangez dans ce que vous voulez, celui qui gagne. Pierre, feuille, ciseaux. 1-0, les amis. Pierre, feuille, ciseaux. Coupé. Vas-y, allez, bismillah. Pierre, feuille, ciseaux. Tiens. Attends, mais là, elle m'a cassé mon truc. Tac. Balle de match. Pierre, feuille, ciseaux. Yes! Yes! Je gagne. C'est-à-dire, là, je peux manger ce que je veux une fois. Tu manges ce que tu veux une fois. Incro, y a pas de problème, Donc là, les amis, je vous le dis. Pourquoi Lily a mis ses cheveux sur mes cuisses? Vas-y, dégage là. C'est l'heure de manger. Je vais commencer par ça. Le petit. Oh, sandwich. Eh, j'ai gagné. Elle peut faire quoi? Yassine, regarde, j'ai gagné. Eh, t'as pas le droit, laisse-le. Bismillah. C'est pas vrai, Cro, ça. Oh là là, toi. Les gars, la mayonnaise de la boulangerie. Mais ça me donne envie de parler la bouche pleine. J'ai envie de réciter l'alphabet carrément. A, B, C, D, E, F, G. C'est trop bon. Vas-y, laisse-toi qu'on recommence le morpion. Je vous le dis, ça me donne envie de manger des légumes. Ça me donne envie. Mange numéro 2. Là, je vous dis, je vais taper dans le sucré, les frères. Touche à mon sucré. Touche. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Cassé. Les gars, je vais pas me laisser faire. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Balle de match. Tu connais le Real Madrid, tu connais la remontada. Vas-y, tu connais Vinicius, tu connais Benzema. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Café. 3-0 PLM. C'est à cause d'Mbappé, il est venu au Real. Tu peux choisir ce que tu veux. Eh, hey, pitié, je t'en supplie, Myriam. Mange pas ça, s'il te plaît. J'ai trop envie de le graille. T'as envie de goûter? J'ai envie de en goûter. En vrai, vu que t'es mon grand frère, je te laisse. Merci. Vas-y, mon plan, il a pas marché. Non, goûte pas ça, goûte pas ça. Goûte ça. Non, s'il te plaît, goûte pas ça. S'il te plaît, Myriam. Myriam, goûte pas ça. Chef, j'aime pas les gâteaux aux fruits, je m'en fous. C'est le gâteau que je voulais vraiment pas tester. Eh, mais en vrai, c'est une dinguerie. C'est un sandwich. Un sandwich sucré. C'est vraiment pour les gros. Ça me donne envie de faire une danse. Aïe, 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 aïe. Yacine, j'ai une recommandation. Regarde ce qu'elle fait.
Yacine, ça peut plus durer. Viens, enfin un vrai pierre feuille ciseau. Dès qu'on gagne, l'autre il court et l'autre il mange ce qu'il veut. Ok, c'est parti. Yes. Ah, tu vas rien faire, toi. On court jusqu'à là-bas. Là, c'est important de gagner. Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau. Cassé, tu cours. Stop. Tu arrêtes. Calme-toi, calme-toi. T'as touché à quoi? Elle a mangé quoi? Le burger. Pierre feuille ciseau. Je me régale. Je me régale. Viens, on prend des bonnes frites avec les mains. Lâche. Celui qui gagne cette pierre feuille ciseau a le droit de manger tout ce qu'il veut. Et on en finit là. Est-ce que t'acceptes, Yacine? C'est parti. Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau. Non, mais par pitié. Non, mais Yacine, on peut refaire. Non, bah non, c'était la règle. Non, mais Yacine, s'il te plaît. Tiramisu. En plus, il y a un Kinder. Pourquoi j'ai perdu, les gars? Il y avait un pierre feuille ciseau à papier. Wallah, je vais mettre ma bouche. Me fais pas ça. Regardez, elle m'a mis de la crème sur la lèvre. Là, t'as fait une dinguerie, là. Waouh. En plus, c'est au Kinder Bueno. Vas-y, calme-toi, c'est bon, calme-toi. De toute façon, son estomac, il est tout petit. Elle va taper dans les frites. Doucement. Calme-toi. Mais tu fais quoi avec tes mains qui puent? Mais c'est trop. Elle a le droit. On a la catastrophe. Mais c'est trop une dinguerie ce que tu fais. Avec ta tête, là. Tu ressembles à un Olga ou tout. Et regardez ses mains. Ah, mais ça me dégoûte. Tu fais quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Yacine, on devrait lui interdire, c'est haram de faire ça. Peut-être c'est bon. C'est n'importe quoi de faire ça, Myriam. C'est bon ou pas? Spéculo, c'est... Myriam, tu vas lui donner une dernière chance. Donne-lui un défi mesquine pour qu'il puisse remanger, parce que là, ça se fait pas. Ton défi, ça va être de devoir sauter d'un pont. Non, Myriam, un défi faisable. Ton défi, ça va être de devoir me battre en investissant. Un investissant de quoi? De foot. Ok. Yes! Non, de gym. Non, t'as dit foot. Mais sors, Lina, d'ici là, sors là de là. T'as vu comment elle manque de respect? Ah, c'est vraiment elle, ta copine! Oh la mie, c'est vraiment avec ta copine? Non, voilà, c'est pas elle. Ah bah Lina, en tout cas, on te fait une grosse dédicace. Regarde comment je vais l'atomiser au 1vs1. J'ai des frites bloquées. Eh, attendez, il aura des particularités par contre. Ouais, y a pas de particularité. C'est parti, 1vs1, let's go. Voilà, Younes. Buu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 u